Shalom, 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 la grande famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est moi, votre soeur, votre fille, Pente, fait. mon que mon Dieu vous bénisse et nous bénisse abondamment. Encore ce soir, j'ai dit merci, merci à notre Dieu, à mon Dieu de m'avoir encore accordé cette possibilité de pouvoir être ici devant vous, devant la caméra pour pouvoir encore vous parler de sa part. Et dire merci au couple pastoral de m'avoir fait cette confiance ce soir, d'être ici toute seule ensemble avec vous. Chaque jour, comme on dit, bien-aimé, c'est un privilège, c'est une grâce de pouvoir s'approcher de notre Dieu. C'est pour cela, sa parole dit que c'est par sa grâce que nous avons été sauvés. Oui, bien-aimé, chaque jour, c'est important d'être reconnaissant, d'être reconnaissante à notre Dieu pour l'amour qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous accorde, pour le courage et la force qu'il nous donne encore ce soir pour être encore ici devant, devant sa présence. Oui, bien-aimé, il a dit là où il y a deux ou trois réunis en son nom, il est présent au milieu. D Alors commence à partager, commence à liker, commence à commenter la vidéo. Partage dans tous les groupes Facebook ou WhatsApp, peu importe, bien aimé, mais partage cette vidéo pour qu'une famille, pour qu'une âme soit encore sauvée à travers ton partage dans les puissant puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, encore ce soir, nous voulons prier notre Dieu. Encore ce soir, nous voulons encore écouter la parole de Dieu, la parole que Dieu a entraîné, doit encore nous parler, encore depuis, bien aimé, tout ce mois de juin. Oui, bien-aimé, nous sommes en train de dire la vie zoé, la vie en abondance, la vie de Dieu. Oui, bien-aimé, tac pour moi cinq fois la vie zoé, la vie zoé, la vie zoé dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse encore abondamment. Continue à partager, continue à liker et à commenter la vidéo. Oui, bien-aimé, alors nous allons prier notre Dieu. Nous allons recommander ces moments entre les mains de notre Dieu. Car ce soir, bien-aimé, à chaque fois que tu, tu te connectes, tu ne te connectes pas pour pas pas pour, pour maman ou pour moi ou pour quelqu'un mais tu te connais, parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui va encore te parler tu sais qu'il y a un Dieu qui va encore te sauver tu sais qu'il y a un Dieu qui va encore bénir toucher encore ta famille et ta maison alors ferme tes yeux là où tu es élève tes deux mains nous allons remercier notre Dieu nous allons lui remettre ce moment entre ses sentiments car il a dit dans sa parole recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ élève ta voix commence à prier ton Dieu bien-aimé oui Seigneur, nous te disons encore merci ce soir. Merci pour la grâce que tu nous as encore fait. Merci pour la grâce que tu nous as encore donnée de pouvoir être encore ici ce soir devant ta présence, papa. Bénis ton peuple, baba, papa. Bénis tous ceux qui sont en train de se connecter. Bénis tous ceux qui sont connectés, papa. Bénis-moi, ta servante, papa. Continue encore puissamment pour bénir ton peuple, papa. Bénis chacun d'entre nous. Que ta parole vient encore nous enseigner. Que ta parole pénètre encore dans nos vies, dans nos familles, dans les non-puissants de Jésus-Christ. Et que tout esprits sataniques et diaboliques qui veulent se lever pour nous empêcher, papa, d'écouter ta parole, de prier ensemble avec toi, que cela soit nul et sans effet, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car David a dit, recommande ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance et l'agira. Oui, Père éternel, moi, ensemble avec ton peuple, nous te recommandons, papa, ce moment entre tes saintes mains. Nous mettons toute notre confiance en toi, Seigneur, et nous le croyons, papa. Nous avons la foi et la confiance conviction papa que tu agiras encore au milieu de nous ce soir dans les non puissants et glorieux de jésus christ amen 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 gloire sera dieu à notre dieu ben aimé continue à continuer de partager continue à liker continue à commenter la vidéo dans les non puissants et glorieux de jésus christ oui bien aimé nous sommes dans notre mois de juin comme nous le savons, notre mois de juin, c'est le mois d'épanouissement, le mois de la moisson, le mois de l'élévation, le mois de l'évolution, de l'élargissement. Oui, bien aimé, c'est pour cela, mon thème de ce soir, c'est briser toutes les lois des limitations. Oui, bien aimé, nous voulons encore briser toutes les lois. Oui, bien aimé, il y a deux mois passés, nous avons briser toutes les lois de la famille, toutes les lois de la malédiction, toutes les lois qui nous voulaient nous empêcher, bien aimé, de pouvoir entrer dans notre destinée. Oui, bien aimé, c'est pour cela, que nous allons encore partager la parole de Dieu. Oui, bien aimé, lorsque nous disons briser les lois de la limitation. Oui, bien aimé, la loi, c'est une domination. La loi, c'est une autorité. Je vais encore dire à quelqu'un ce soir, quelle est cette domination? Quelle est cette autorité qui t'empêche d'avancer dans ta vie? Quelle est cette autorité qui t'empêche de t'améliorer dans tous les domaines de ta vie Quelle est cette domination qui veut prendre possession, qui veut prendre place dans ta famille Oui, bien aimé. Quelle est cette chose, quelle est cette loi qui va être permanente dans ta vie Oui, bien aimé. Permanent signifie durer, éternelle. Oui, bien aimé. Quelle est cette situation qui veut continuer à vivre dans ta vie Quelle est cette souffrance Quel est cette, ce problème qui veut continuer à, à dominer dans ta vie, dans ta famille Oui, bien bien aimé, c'est pour cela que nous allons lire un passage rapide dans la parole de Dieu. Oui, bien aimé, dans Ephésiens 6. Chapitre, verset 6, chapitre 6 verset 12 sa parole nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes dans les non-puissants de Jésus Christ oui bien aimé je viens à dire encore à, à quelqu'un ce soir que toutes ces lois de la limitation toutes ces lois de la limitation sont brisées, anéanties dans les non-puissants et glorieux de Jésus Christ toutes ces dominations que le diable est en train de déposer dans ta vie, est en train de déposer dans la vie de tes enfants, dans ta maison, sont anéantis dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tape-moi encore cinq fois, bien aimé, brisé, brisé, briser, briser, briser au nom de Jésus. Oui, bien aimé, puisque nous sommes dans notre mois de l'épanouissement, nous sommes dans notre mois de l'élévation, de l'élargissement, nous sommes en train de briser toutes ces lois sataniques, toutes ces lois de la limitation, toutes ces lois des blocages, toutes ces lois. Qui veulent nous empêcher d'aller de l'avant, tout ce qui veulent empêcher, qui veulent bloquer notre trajet pour atteindre notre destinée, pour atteindre notre élévation, pour atteindre notre progrès dans le non-puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Oui, bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans Déternome chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 8. Oui, bien-aimés, tape là où tu es pour aider les autres, Déternome 1, verset 6 jusqu'au verset 8. Oui, bien aimé, écoutez ce que la parole de Dieu dit. C'est que Dieu dit L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amorins et dans tout le voisinage dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Canaïens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Ophrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux, à la postérité après eux, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, malgré que tu ne parles avec moi, mais est-ce que tu peux acclamer, acclamer la parole de notre Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ Oui, bien-aimé, je veux t'expliquer ce passage de la Bible. Nous allons beaucoup nous concentrer plutôt sur les versets 6 et sur les versets 8. Oui, bien-aimé, nous sommes dans le mois de la progression. Nous sommes dans les lois de l'évolution. Oui, bien-aimé, nous devons monter. Nous devons monter dans tous les escaliers, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, lorsque la... Dieu dit au verset 6, lorsque les enfants disent, l'éternel, notre Dieu, nous a, pris, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. Oui, bien-aimé, l'éternel te dit encore ce soir que tu as assez de dans cette maladie. Tu as assez de dans ce blocage. Tu as assez de dans cette situation. Oui, bien-aimé, demeurer, ça veut dire loger. Demeurer, ça veut dire rester. Demeurer, ça veut dire durer. Oui, bien-aimé, tu as assez de dans cette situation. Quelle est cette souffrance où tu as assez de Quelle est cette situation? Quelle est cette maladie? Quel est ce problème là où ta famille, vous avez assez de Oui, bien-aimé, peut-être c'est la... Pauvreté, peut-être c'est la sorcellerie, peut-être c'est la malédiction. Je déclare à partir de ce soir que tout cela est brisé dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu as assez de mériter dans cette situation. C'est pour cela que ton Dieu t'a dit ce soir tournez-vous. Oui, bien-aimé, tape-moi cinq fois, je me tourne, je me tourne, je me tourne, je me tourne, je me tourne dans les non-puissants de Jésus-Christ. Car il est temps de prendre courage. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions changer cela. Il est temps que nous nous élevons et nous prenons possession de tout ce qui nous appartient. Oui, bien-aimé, pendant combien de temps, tu aurais déjà dû avoir ta richesse, ta santé. Mais pendant combien de temps, toutes ces lois de la limitation ont soustrait cela. On soustrait la santé. On soustrait l'élévation. On soustrait la richesse. On soustrait le bien, le travail dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. C'est pour cela, ton Dieu, bien-aimé. Ce soir, tu dis, tourne-toi, tourne-toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ, car tu as assez mérite dans la malédiction, tu as assez mérite dans la pauvreté, tu as assez mérite dans la sorcellerie. Oui, bien aimé, malgré les promesses de Dieu, nous continuons à démériter dans ces problèmes. Malgré les promesses de Dieu, nous continuons de demeurer dans la maladie, dans la pauvreté. Oui, bien-aimé, il y a certaines lois qui sont là, qui continuent à nous étouffer, qui continuent à nous empêcher d'avancer, d'atteindre notre objectif, d'atteindre notre réussite, d'atteindre notre élévation. Oui, bien-aimé, mais l'Éternel, il a dit qu'à partir de ce mois de juin, il te montrera son épanouissement, il te montrera ton élévation, il te montrera ton élargissement dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Car le mois de juin, bien-aimé, c'est un nouveau calendrier, c'est une nouvelle saison. Je déclare à partir de ce soir qu'il y a une nouvelle saison qui descend dans ta vie, une nouvelle saison qui s'opère dans ta vie, une nouvelle saison qui s'opère dans ta maison, dans ta famille, dans les non-puissants et glorieux. Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tape-moi cinq fois. Saison, 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 saison. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, il nous dit, tournez-vous et prenez possession. Oui, bien-aimé, lorsque il dit prenez possession. Il dit, L'Éternel nous dit de conquérir, d'établir. Comme maman nous a dit, nous a parlé hier sur l'histoire de David, l'établissement. Oui, bien aimé, je vais encore dire à quelqu'un ce soir que tu vas t'établir dans ton élévation, tu vas t'établir dans ta santé, tu vas t'établir dans ta richesse, tu vas t'établir dans ton bonheur, dans ton élargissement, dans ton élévation, dans les non puissants et glorieux de Jésus-Christ. De la même manière que David s'établit. Oui, bien-aimé, n'écoute pas tes ennemis. N'écoute pas ceux qui sont en train de t'empêcher. Ils sont en train de vouloir t'empêcher au nom de Jésus-Christ de pouvoir t'établir, de pouvoir conquérir tes bien, de pouvoir conquérir ta santé. Ne les écoute pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme Job a dit, je ne vous donnerai pas raison. Oui, bien-aimé, les boiteux, les aveugles avait dit à David, tu ne rentreras point ici. Mais puisque l'éternel était avec David, David est rentré. Oui, bien aimé, je viens dire encore à quelqu'un ce soir, puisque l'éternel est avec toi, puisque l'éternel t'accompagne durant ce mois de juin, tu vas t'établir dans ton élévation, tu vas t'établir dans ta santé, tu vas t'établir dans tous les domaines de ta vie, dans le non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, dis encore avec moi, tape-moi cette fois, conquérir, conquérir, conquérir. Oui, bien-aimé, tu dois conquérir. Ne laisse pas que cette situation t'écloue à terre. Ne laisse pas que cette maladie t'écloue à terre. Ne laisse pas que cette situation t'écloue à terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que le diable veut. C'est ce que tes ennemis veulent. Que veulent, tu les donnes raison. Mais toi, ne le fais pas. Oui, bien-aimé, lorsque nous sommes avec Dieu, nous sommes têtus. Oui, bien-aimé, tu dois être têtu contre tes ennemis. Tu dois être têtu contre cette maladie. Tu dois être têtu contre ce chômage, contre cette pauvreté dans les non-puissants de Jésus-Christ. C'est le moment où tu te lèves, bien-aimé. C'est le moment que tu prends courage. C'est le moment que tu prends la force. Et que tu te mets debout. Et que tu te tournes. Oui, bien-aimé, sa parole nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force et de courage. Oui, bien-aimé, puisque tu es la fille de Dieu, puisque tu es le fils de Dieu, tu n'as pas, as, as pas réussi n'importe quel esprit, mais tu as réussi l'esprit qui vient d'une autorité suprême. Amen. Oui, bien-aimé, tape avec moi cinq fois, esprit, 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 esprit. esprit. esprit, esprit, esprit. Oui, bien-aimé, il y a des lois dans la famille. Il y a les lois, bien-aimé, certaines lois qui nous empêchent d'avancer. Oui, bien-aimé, il y a certains, des fois on a été dans certains milieux. Et c'est à cause de ce milieu, bien aimé, qu'on a trouvé les blocages dans nos vies. Où t'as mis tes pieds, bien aimé? Où t'as marché pour que les blocages s'installent dans ta vie? C'est pour cela, bien aimé, l'éternel te dit, tourne-toi à partir de ce soir. De la même manière que David a tourné, a donné le dos à Eliab. Fais la même chose avec la maladie. Fais avec la même chose avec la pauvreté, yes. la malédiction, Amen. dans les noms puissants de Jésus Christ. Yes. Oui, bien aimé. L'Éternel nous dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Oui, bien-aimé, la montagne, ça peut monter un moment de stagnement, un moment de la diminution. Oui, bien-aimé, lorsque la maladie entre dans ta vie, c'est pour diminuer quelque chose en toi. Lorsque la pauvreté, la malédiction, tous les hôtels qui tous tes ennemis sont en train de faire, entre dans ta vie, c'est pour diminuer quelque chose que tu as en toi. Et cette chose, c'est l'étoile. Que Dieu a déposé en toi. Quelque chose, c'est l'étoile que Dieu a déposé dans tes enfants, dans ton mari, dans ta femme. C'est pour cela qu'il y a cet esprit de rébellion qui se lève contre la vie de tes enfants pour diminuer cette étoile. Mais toi, lève-toi à partir de ce soir, puisque tu es la fille du roi des rois, puisque tu es un guerrier, une guerrière de la prière. Dis Seigneur, je me lève et je me tourne et je prends possession de tout ce qui m'appartient. Oui, mais tape-moi encore cinq fois possession, possession, possession. Oui, bien aimé, c'est le temps d'aller. C'est le temps de sortir. Dans les non-puissants et glorieux de Jésus Christ, des Nazareth. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons encore lire la parole de Dieu. Excusez-moi si les micros. Amen. Amen. Oui, bien aimé, lorsque Dieu est en train de dire, vous avez assez de mérite dans cette montagne. Lorsque Dieu dit tournez, partez, voyez. Oui, bien aimé, tous ces verbes sont dans un temps impératif. Le temps impératif signifie un ordre. Cela signifie que ce soir, ton Dieu est en train de te dire, ma fille et mon fils, je te donne l'ordre de t'élever et de sortir de cette montagne là où tu étais stagné pendant tout ce temps. Oui, bien aimé, ton Dieu te donne un ordre ce soir. Ton Dieu te donne une obligation à partir de ce soir. Ton Dieu ne te dit pas, mon fils, ma fille, je pense que je te donne un conseil, je pense que tu dois sortir. Non, ton Dieu te dit, tourne-toi, partez au nom de Jésus-Christ. C'est le moment que tu quittes cette montagne. C'est le moment que tu vas dans une autre montagne. C'est le moment que tu puisses te transporter dans une autre montagne. Mmh, montagne de gloire. La montagne de gloire. La montagne de la richesse, la montagne de la santé, la montagne de l'élévation, la montagne de l'élargissement, la montagne de l'amplification, la montagne de le développement, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans le mois de la moisson. Nous sommes dans le mois de l'élévation, de l'évolution. C'est pour cela que je t'invite, bien-aimé, Déjà, c'est déjà à partir de la semaine prochaine. À partir de ce dimanche, à partir de minuit, nous rentrons dans notre gêne et prière des sept jours. Oui, bien-aimé, les chiffres sept, c'est le chiffre de l'accomplissement. Cela signifie que Dieu vient encore accomplir quelque chose dans ta vie. Dieu veut encore accomplir quelque chose dans ta vie, dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus Christ. Car nous voulons rentrer dans notre vie Zoé. Nous voulons rentrer dans notre vie en abondance. C'est le moment que tu puisses vivre de ce bonheur, bien-aimé. Comme Job 5 nous dit sa parole, Job 5, verset 24, tu jouiras de ton bonheur. Oui, bien-aimé, tu dois savourer, tu dois bénéficier de ce bonheur. C'est pour cela que ton Dieu te dit, partez, allez, voyez, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est un ordre que pars. ton Dieu te donne. Tape-moi cette fois, je pars je pars je pars, je, pars. je pars, je pars, je pars. Dis, je pars, je pars, je pars. Je pars. Je pars au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, pendant ces sept jours, nous voulons encore émerger dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous voulons faire prendre possession de tout ce qui nous appartient. C'est pour cela que je viens te dire, bien-aimé, quelle est cette domination, quelle est cette autorité qui va encore s'installer dans ta vie, quelle est cette domination, quelle est cette obligation qui va durer éternellement dans ta vie, dans ta famille. Regardez, bien-aimé, pendant 12 ans, cette situation a démarré dans la vie de cette femme. Cette femme, pendant 18 ans, elle a déméré dans l'infirmité. Cet homme, pendant 38 ans, il a déméré dans le parallélisme. Ce peuple d'Israël, pendant 430 ans, ils ont déméré dans l'esclavage. Oui, bien aimé, mais je viens te dire que ton histoire, c'est une autre histoire. Tu ne vas pas démérer plus longtemps que ça. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, même cela si a pris beaucoup d'années, mais à partir de ce soir, puisque nous sommes rentrés dans un nouveau mois, bien aimé, le mois de l'épanouissement, le mois de l'élévation, le mois de l'évolution, je suis en train de dire à quelqu'un que tu es en train de quitter cette montagne de la tristesse, tu es en train de quitter cette montagne du malheur, tu es en train de quitter cette montagne de la douleur, de la oui, même oui, manière oui. que Paul et Silas ont quitté la prison, Amen. toi aussi tu vas quitter la prison de la maladie, la prison de la sorcellerie, la prison de la malédiction, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oh Dieu, avec moi, bien-aimé, je quitte, j'ai quitte, je quitte, j'ai quitte. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, l'Éternel t'a dit ce soir, tourne-toi. Tourne-toi. Oui, bien aimé, j'ai dit encore ce soir, tourne-toi. Que toi et ta famille, vous puissiez vous tourner. Moi, je déclare, à partir de ce soir, que moi, je me tourne. Que ma famille se tourne. Que la montagne de la prière est en train de se tourner dans les non puissant Et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, nous sommes en train d'escalader. Nous sommes en train de monter les escaliers. Nous sommes en train de monter les échelles dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Car l'Éternel monte encore pour quelqu'un ce soir. L'Éternel monte encore pour la vie de quelqu'un ce soir. L'Éternel monte encore pour la vie d'une famille Amen. ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car nous savons que lorsque l'Éternel monte, la maladie se retire. Nous savons que lorsque l'Éternel monte, la pauvreté se retire. Nous savons que lorsque l'Éternel monte, la malédiction la pauvreté, le chômage, la sorcellerie, toutes les lois de limitation sont en train de se retirer dans les non-puissants. Et glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si l'Éternel te dit tourne-toi, si l'Éternel te dit pars, c'est parce qu'il sait pourquoi. C'est pour cela dit que lorsque sa bouche dit, sa main l'accomplit. Oui, mais le Dieu de ta vie, c'est celui qui ne ment jamais. Car ce n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour changer d'opinion. C'est l'éternel qui sauve ta vie. C'est l'éternel qui sauve ta famille. Car c'est son nom, bien-aimé, qui t'a beaucoup sauvé. Oui, bien-aimé, je viens te dire ce soir: prends possession, lève-toi, prends courage, prends force et prends possession. Prends possession, récupère tout ce que tu as perdu pendant tous ces temps. Amen. Récupère. récupère. Tape-moi cette fois: récupère, récupère, récupérer. Récupérer, 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 Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, comme la veuve a dit, je ne céderai point. Oui, bien-aimé, ça va nous dire, je ne céderai plus jamais ce qui m'appartient. Oui, bien-aimé, toi aussi, à partir de ce soir, dis, Seigneur, je le déclare et je le confesse que je ne céderai plus jamais tout ce qui m'appartient. Si c'était la santé, ne le cède plus jamais. Si c'était la richesse, ne la cède plus jamais. Si c'était l'élévation, ne la cède plus jamais. Si c'était le bonheur, ne le cède plus jamais. Dans le non-puissant, et gloire à Jésus-Christ. Car aucune loi, je dis bien aucune loi, Alléluia. aucune domination, aucune autorité yes. va te soustraire tout ce que ton Dieu t'a donné. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous sommes en train de briser toutes les lois des limitations, yes. toutes les lois des blocages. Parce que maintenant nous voulons avancer. Amen. Parce que bien-aimé, nous ne voulons plus reculer mais avancer. Yes. Amen. Nous ne voulons plus descendre mais nous voulons monter. Amen. Nous ne voulons plus freiner mais nous voulons accélérer. Nous voulons plus décroître, mais croître. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons plus baisser, mais monter. Yes. Oui, bien aimé, tape au moins cinq fois la croissance, la croissance, la croissance. La croissance. Oui, bien aimé, c'est le moment que tu puisses croître. Mm. C'est le moment que tu puisses évoluer. C'est le moment que tu puisses te développer. C'est le moment que tu puisses te monter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, dans les versets 8. Car je dis que nous allons plutôt nous concentrer verset 6 et verset 8. L'éternel, tu voyais, j'ai mis le pays devant vous. Oui, bien-aimé ton Dieu, t'es dit ce soir, j'ai mis la santé devant toi, j'ai mis l'élévation devant toi, j'ai mis la richesse devant toi, j'ai mis les bonheurs devant toi, j'ai mis les développements devant toi. Oh, j'ai vu l'élargissement devant toi, la moisson devant toi, dans le non-puissant de Jésus-Christ, la possession devant toi, la récupération devant toi, ton témoignage au non-puissant et gloire de Jésus-Christ. Tout ce que tes ennemis mm. t'ont volé, tu le récupères ce soir. Amen. Tu le récupères ce soir. Tu récupères ta santé. Tu récupères ton élévation. Tu récupères ton bonheur. Tu récupères ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où tes ennemis voulaient introduire l'esprit des morts, ton Dieu vient introduire l'esprit des vies. Là où tes ennemis voulaient introduire l'esprit de la, de, la, de la maladie, ton Dieu vient introduire l'esprit de la guérison. Mm. Oui, bien aimé, c'est le moment que tu lèves. C'est le moment que tu changes de montagne. C'est le moment que tu changes de position. C'est le moment que tu changes de lieu. Oui, bien-aimé, car nous voulons nous développer. Nous voulons monter. Nous voulons croître. Nous voulons monter les escaliers. Oui, bien-aimé, l'Éternel dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez. Possession du pays. Oui, bien aimé, prends possession de ton miracle. À partir de ce soir, prends possession de ta guérison. Prends possession de ta restauration. Prends, restauration. prends possession de ta restauration, de ta réparation, de ta résurrection, de ta, résurrection, de ta délivrance. Dans les non puissant de Jésus Christ. Oh, bien aimé, tape-moi cinq fois. Possession, possession, possession. Dis, je prends possession. Tu es ma famille prend possession de sa richesse. Ma famille prend possession de sa santé. Ma famille prend possession au nom puissant de Jésus-Christ de l'intelligence. Oui, mais aimé, je t'éclare à partir de ce soir, en tant que servante de Dieu, que tu prends possession de ton élévation, que tu prends possession de ton bonheur, que tu prends possession de ta santé, que tu prends possession de ton travail, que tu prends possession de ta guérison, que tu prends possession de ton miracle, que tu viens t'établir dans le nom puissant de Jésus. Que tu prends possession, tu viens acquérir, tu viens conquérir. Tout ce qui t'appartient de A à Z dans le nom puissant de Jésus Christ. Car c'est le moment que tu te lèves. Mais tout cela aussi dépend de toi, bien-aimé. Est-ce que tu veux te lever? C'est pour cela que je te dis: prends courage. J'ai la foi et la conviction que la montagne de la prière est rentré dans une nouvelle saison. Que la montagne de la prière est rentrée dans, dans un nouveau calendrier. Dans le calendrier de la moisson, dans le calendrier de l'épanouissement, dans le calendrier de l'amplification, de l'élévation, de l'évolution, de l'élargissement, de la croissance. Et puisque tu es un montagnard, puisque tu es un montagnard, nous sommes dans la même barque. Alors reçois, reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, allez maintenant. Et Prenez, oui, bien aimé. Comme j'ai dit, c'est des temps impératifs. Ton Dieu te donne un ordre, il te donne une obligation. Tu n'as pas de choix, bien aimé. Tu dois te lever et prendre possession de tout ce qui t'appartient. Oh, tape-moi cinq fois maintenant. Dis maintenant, dis maintenant. maintenant. Oui, maintenant, bien aimé, c'est à l'instant. Maintenant, c'est ce qui s'opère. Maintenant, au moment que nous sommes en train de le déclarer, il y a la chose qui arrive. Il y a la chose qui s'opère. Il y a la chose qui s'accomplit dans ta vie, dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, deux fois quand notre Dieu veut nous ramener dans certaines choses, c'est compliqué. Mais il y a un message. Parce qu'il nous a dit nous, sommes, nous avons assez de longtemps dans cette montagne. Oui, bien-aimé, nous disons basta. Dis-moi, tape-moi cinq fois, j'en ai assez. J'en ai assez. Oui, bien-aimé, combien de fois tu étais là Combien de fois tu étais en train de prier ton Dieu Tu étais en train de dire, oh Seigneur, j'en ai assez de cette situation. J'en ai assez de ce problème. J'en ai assez de cette chose. C'est pour cela, bien-aimé, nous déclarons ce soir, nous venons casser la baraque et nous venons progresser dans le non puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien c'est le temps que je dois progresser. C'est le temps que je dois t'évoluer. C'est le Amen. temps que tu dois moissonner tout Amen. ce que tu as sémé. Oui, bien aimé, tu avais sémé la richesse. Tu avais sémé la grandeur. Tu avais sémé la grandeur, la prospérité, la réussite, les succès. Amen. Mais pendant tous ces temps, les lois des limitations, elles étaient là pour te retenir, elles étaient là pour te soustraire, elles étaient là pour te bloquer, pour te dévier du chemin. Mais au nom de Jésus-Christ, oui. puisque ton Dieu a dit tournez, allez, partez, voyez, tu prends possession. Oui. Tu prends possession. Oui. Parce que lorsque ton Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et lorsque ton Dieu ouvre une porte pour toi, ouvre deux, trois portes pour toi, personne ne peut fermer cela. Au nom de Jésus-Christ. Oh, bien aimé, je déclare, à partir de ce soir, que ton Dieu ouvre les portes de la progression pour toi. Ton Dieu ouvre les portes de l'évolution. Ton Dieu ouvre les portes de la possession pour toi. Ouvre les portes de l'élévation, de la grandeur. Dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, tape-moi cinq fois la grandeur, la grandeur, la grandeur. Dis avec moi la grandeur, la grandeur, la grandeur. Oui, bien aimé. Sa parole dit, nous dit, ils nous feront la guerre, mais ils nous ne vaincront pas. Cela signifie qu'ils peuvent te faire la guerre pendant tous les jours, pendant tous les mois, pendant toutes les années qu'ils veulent, mais cela ne pourra rien contre toi. C'est pas pour rien que sa parole nous dit dans Ésaïe 54, verset 17, que toute, 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 toute arme forgée contre moi sera ni les sans effet, et toute langue qui se lèvera contre moi en justice, tu la condamneras. wibilin oui, mi kuman sa kontane. Commence à condamner au nom puissant de Jésus-Christ toutes ces langues de la maladie, toutes les langues de la pauvreté. Oh bien aimé, laisse ta voix là où tu es. dis moi ça, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je commence à condamner la langue de la limitation, la langue du blocage, la loi, papa, qui veulent m'empêcher d'aller de l'avant, dans le nom puissant de Jésus. Oh bien aimé, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie pour ta famille, prie pour ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je déclare, papa, que aucune langue, de papa, ne m'empêche de rentrer papa dans ma destination dans ma destinée. Aucune langue ne m'empêchera Papa, de prendre papa tout ce qui m'appartient dans le nom puissant de Jésus. Oui, mais me déclare, puisque l'Éternel a dit que ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Dis Seigneur, je le déclare et je le confesse, papa, qu'aucune langue, aucune langue, Seigneur, papa, pourra m'empêcher, papa, de traverser la ligne droite dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de Nazareth. Au nom de Jésus. Jésus-Christ bon. commence à condamner. Tape-moi bon. cette fois la condamnation, condamnation. Dis bon. oui, Seigneur, je bon. condamne bon. tous ces obstacles au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Oh, bon. oh tape-moi cette fois, condamnation, condamnation, condamnation. condamnation, condamnation. Oui, bien aimé, nous brisons toutes les dominations Amen. qui veulent nous empêcher Amen. de rentrer dans notre destinée. Au nom des mais puisque lorsque Dieu a dit, nous allons avancer. Puisque Dieu a déjà libéré sa parole pour toi. Puisque Dieu a déjà libéré sa parole pour ta famille, pour ta maison, tu vas avancer. Que tes ennemis les veuillent ou pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que je viens quand tu dis ce soir, bien-aimé. Ne laisse pas que cette situation t'écloue à terre. Ne laisse pas que cette maladie, que ce problème, cette faiblesse t'écloue à terre. Regardons Paul pour, pour les Silas dans la prison. Ils étaient dans la prison, bien-aimé. Moi et toi, nous ne sommes même pas dans la prison, mais nous nous laissons abattre déjà. Nous laissons déjà tout. Nous disons, oui, mais ça sert à quoi de prier Je prie, j'ai prié, mais je ne fais rien. Mais regardons Paul et Silas. Ils étaient dans la prison. Dans la prison. Pas dans la maison. Dans la prison. Ils étaient enfermés. Ils ne pouvaient pas bouger. Mais malgré tout, c'est que ce que la parole de Dieu nous dit. Ils n'ont pas cessé d'adorer et de louer Dieu. C'est pour cela que sa parole de Dieu, tout à coup. Oh, tape-moi cinq fois, tout à, tout à coup. Tout à coup. Tout à coup signifie la rupture. La rupture d'un événement. Oui, mais là où peut-être il y avait la tristesse, le tout-à-coup vient changer cet événement en joie. Oui, mais là où il y avait la maladie, le tout-à-coup vient changer l'événement en santé. Là où il y avait bien -aimé, la pauvreté, le tout-à-coup vient changer cet événement en richesse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, tape-moi cinq fois tout-à-coup. Tout-à-coup. Oh, je déclare en tout à coup dans ta vie, en tout à coup dans ta famille, en tout à coup dans ton travail, en tout à coup dans la vie de tes enfants, en tout à coup pour les études de tes enfants, en tout à coup Amen. pour les projets de ta famille. Amen. Je déclare en tout à coup pour la montagne de la prière. Amen. Je déclare en tout à coup pour ma vie, en tout à coup pour ma famille Panzu. Amen. Dans les noms puissants de Jésus Christ, Amen. parce que notre Dieu a parlé. Amen. Notre Dieu parle encore ce soir. C'est pour cela que j'étais Dieu au début du live, bien aimé, que lorsque tu te connectes, c'est parce que tu sais que Dieu va encore te parler. C'est parce que tu sais que Dieu va encore libérer quelque chose d'effort pour toi. Parce que tu sais que Dieu va encore sauver ta vie. Tu sais que Dieu va encore te toucher. Ton Dieu va encore te bénir, te sauver. C'est pour cela, sois toujours reconnaissante, bien aimé. Même si tu ne vois pas maintenant le progrès, mais continue à être reconnaissante à ton Dieu. C'est pour cela, bien aimé, continue à partager, continue à liker, continue à commenter la vidéo, bien aimé. Continue à partager la vidéo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu ne sais pas que ton partage peut sauver une âme. Ton partage peut sauver une famille. Ton partage peut sauver une vie, bien-aimé. Alors continue à partager, à partager partout dans tes réseaux sociaux dans le noms puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu te bénisse abondamment. Oui, bien-aimé, comme je suis en train de dire, tout à coup, tout à coup, les chaînes de la prison sont tombées. Les portes de la prison se sont ouvertes. Oui, bien aimé, je déclare au nom de Jésus, je déclare tout à coup que toutes les chaînes de la limitation qui t'ont bloqué, toutes les chaînes de la limitation de blocage qui t'empêchait d'aller de l'avant, sont en train de tomber, sont en train de s'effondrer, sont en train de couler, d'être détruites, d'être anéanties, d'être démolies, d'être déracinée, d'être piétinée, ôtées dans ta vie, dans ta famille, dans les nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette parole. Reçois cette prière. Dans les non-puissants de Jésus-Christ. Oui, Bélemé, dis « Amen, Amen » si tu comprends le message. Oui, maman, est-ce qu'ils sont en train de comprendre Alléluia. Oui, mais tout à coup. Oui, mais si c'est ce que notre Dieu dit à ses enfants ici dans sa parole. Maintenant, c'est le moment que vous tournez le dos. C'est le moment que vous vous tournez. C'est le moment que vous partez. C'est le moment que vous voyez ce que Dieu a réellement préparé pour vous. Oui, mais des fois, ces situations... Il y a des situations qui arrivent dans nos vies et qui nous aveuglent de ce que Dieu a projeté pour nous. Yeah. Il y a des fois des situations, des souffrances, mm. des problèmes dans nos vies qui nous aveuglent des promesses de notre Dieu. Mm. Parce que des fois il y a cette situation, il y a la maladie, la pauvreté, tout et on se dit c'est Dieu est réellement là. Pourtant Dieu est là. Amen. Pourtant Dieu est toujours là. Il est omniprésent. Celui qui nous appelle le oui et l'amen. La oui bien-aimé, c'est notre Dieu. Oui, mais lorsque nous regardons les histoires dans la Bible, regardez les années, 12 ans, 18 ans, 38 ans, 430 ans, mais malgré tout, il savait que Dieu peut encore faire quelque chose pour moi. Il peut encore faire quelque chose pour moi. Oui, bien aimé, lorsque nous voyons tous ces gens, bien aimé, ils ont reçu, ils se sont enlevés, bien aimé, ils, ils ont tourné le dos à toutes ces situations qu'ils avaient dans leur vie, bien aimé. Ils sont partis, ils ont cherché, bien aimé, ils ont pris possession de la santé, ils ont pris possession de leur changement, ils ont pris possession de leur transformation. Amen. Et nous voyons le résultat. Amen. Nous voyons les résultats. Amen. Regardons Anne, bien aimé. Yes. Lorsque nous lisons l'histoire de Anne. Lorsque nous regardons l'histoire de Anne, vous ne voyez pas que nous voyons jamais la date, les jours, les années, le mois, que Anne, elle a été stérile. Mais ce que nous savons... Que Anne, elle est restée toujours forte. Que Anne, elle s'est toujours mise debout. Que Anne, elle a toujours su qu'il y a un Dieu en moi. Qu'il y a un Dieu qui va faire quelque chose à moi. Et que je sais qu'un jour, je vais prendre possession de ce qui m'appartient. Je vais prendre possession de ma fécondité. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que tu prends possession de ta fécondité. Que tu prends possession de ton travail. Que tu prends possession de ta richesse. Que tu prends possession de ta réussite. Que tu prends possession de ta, réussite, possession de ta victoire dans les noms puissants et glorieux de Jésus Christ. Amen. amen, amen. C'est pour cela, mets-toi debout. Amen. Oh, tape-moi cinq fois, tape-moi cinq fois, forte, 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 fort, fort, au nom de Jésus Christ. Amen. bien -aimé, nous sommes des guerriers de l'Éternel, pas des guerriers de Satan au nom de Jésus. Hum. Nous sommes des guerriers, des guerrières du royaume des cieux. Hum. Nous sommes des violents, des violents et des violentes. Comme maman dit hier, nous sommes des vaillants, nous hum. sommes des vaillantes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons nous établir. Amen. Oui, bien aimé, c'est le moment que tu puisses t'établir. Parce que lorsque nous disons, nous disons prenons possession, Amen. nous disons conquérir. Nous, nous disons l'établissement. Yes. Comme David a pris possession Amen. de cette cité, qu'il appelait cité de David, toi aussi ce soir, prends possession, bien aimé, de cette Amen. cité. Prends possession. Amen. Et Dieu, maintenant, je viens instaurer ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, tu prends possession de la France. Amen. Tu prends possession des États-Unis. Tu prends possession de l'Océanie. Tu prends possession de l'Afrique. Tu prends possession dans les non-puissants de Jésus-Christ. De tous les domaines de ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un vaillant. Amen. Parce que tu es une vaillante. Amen. Parce que ma famille, c'est une famille des vaillants. Amen. Ma famille, c'est une famille des vaillants. Ta famille, c'est une famille des vaillants. Amen. La montagne de la prière, c'est un ministère des vaillants et vaillantes dans les non-puissants de Jésus. Amen. C'est pour cela que nous voyons, bien-aimés, malgré les combats, nous sommes jamais abattus. Mmh. Comme l'apôtre Paul a dit, nous serons toujours combattus, mais jamais abattus. Nous serons jamais vaincus, bien-aimés. Mmh. Car nous avons un Dieu tout-puissant. C'est lui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda mmh. Oui, c'est ton Dieu. Mmh. Parce que c'est un esprit de force et de courage. Mmh. Ce n'est pas un esprit de peureux de pereuses qu'il a déposé en toi. Non, mmh. c'est un esprit de feu, un esprit de vérité. Qu'il a déposé en toi, qu'il a instauré en toi. Amen. Et oui, bien aimé, c'est cet esprit. Et c'est lorsque tes ennemis te verront, ce n'est pas toi qu'ils verront, mais c'est l'esprit que Dieu a mis en toi, qu'ils verront dans le nom puissant de Jésus-Christ et qu'il les mettra enfouis loin de toi. Enfouis tout loin de toi. C'est l'esprit que Dieu a mis dans ta maison, Amen. a mis dans ta famille, Amen. qui va faire échapper Amen. toutes les lois de la limitation. Est-ce que tu vas prendre possession Jésus. Oui, bien-aimé, tape-moi encore cinq fois à la possession, la possession. Mm -hmm. Oui, bien-aimé, c'est le mois de la possession. C'est le mois de la grandeur, le mois de l'évolution. Oui, bien-aimé, ton Dieu te dit tourner. Oui, bien-aimé, nous avons beaucoup logé. Nous avons beaucoup, nous sommes beaucoup restés. Nous avons beaucoup duré dans ces situations, mm. dans la maladie, dans la sorcellerie. Mais j'ai dit que rien, bien-aimé, que ce soit la maladie, la sorcellerie, les envoûtements, rien, bien-aimé, ne nous pourra nous empêcher de traverser la ligne droite dans les non-puissants de Jésus, de la même manière que rien, bien-aimé, ni les pharaons, ni les égyptiens ont pu empêcher au peuple d'Israël d'attraverser la main rouge. À toi aussi, rien, bien-aimé! Ni la mer rouge, ni les Égyptiens derrière toi, ni la mer rouge devant toi ne pourra t'empêcher de traverser cette ligne droite dans le non puissant de Jésus-Christ. Car tu dois croire, tu dois entrer dans ton canard, tu dois entrer dans ton canard, tu dois entrer dans ton, tu entrer dans ton établissement, tu dois t'établir, bien-aimé. Oui, bien-aimé, je déclare encore une fois que toutes les miracles de Jéricho, de la même manière qu'elles sont tombées devant les enfants d'Israël, elles tombent devant toi ce soir. Au nom de Jésus, Alléluia. je déclare que toutes ces lois, bien toutes ces murailles de Jéricho qui au se sont de mis Jésus. devant toi pour t'empêcher d'aller de l'avant, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher de voir le succès, pour t'empêcher de voir la triomphe, le progrès dans ta vie, elles sont en train de s'effondrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, tape-moi cette fois l'effondrement, l'effondrement au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, elles sont en train de s'écouler. Elles sont en train de se couler comme de l'eau. Elles sont en train de se vaporiser comme la vapeur. Oui. T'as le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, tout ce, toutes ces situations que tu vois dans ta vie, c'est comme de la vapeur. cest qu'à un moment donné, elles sont là. À un moment donné, elles vont disparaître. Mais oui. c'est là pour toujours. C'est la même manière lorsqu'on cuisine. Lorsqu'on cuisine, on voit la vapeur. Mais lorsqu'on est dans les feux. feu. La vapeur disparaît. C'est ce qui va se passer pour toi, bien-aimé. C'est ce qui va se passer pour la situation dans ta vie. Au nom Alléluia. puissant de Jésus, je déclare que la situation dans ta famille, la situation, le problème dans ta vie, le chômage, la stérilité, le chômage, la pauvreté, au nom de Jésus-Christ, tous le rituel satanique sont en train de s'évaporiser maintenant. Alléluia. Maintenant, Alléluia. dans le nom puissant, gloire de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, quelle est cette domination? Quelle est cette autorité qui veut se lever contre nous Amen. Oui, bien-aimé, nous allons encore lire encore une fois ce verset que nous avons déjà lu Amen. pour encore mieux le comprendre. Yes. Oui, bien-aimé, Ephésiens 6, verset 12. Mm. Sa parole nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sons. Yes. Oui, bien-aimé, ce n'est pas contre la chair que tu dois lutter. Ce n'est pas contre le sang que tu dois lutter. Mais écoute la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit mais contre les dominations ah, yeah, 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 Bien aimé C'est ce que nous sommes, nous sommes en train de dire Les lois ce sont des dominations Les lois ce sont des autorités Et en effet la parole de Dieu nous dit Contre les autorités Nous retrouvons ce deux mots bien aimé ces deux synonymes de la loi, domination et autorité. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de lutter contre les dominations, contre les autorités qui étaient établies dans nos vies, dans nos familles, dans le non plus se gloire de Jésus Christ. Oui, bien-aimés, c'est pour cela l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas des, ce pas des armes charnelles que nous avons reçues, mais des armes spirituelles pour lutter contre toutes les forteresses. Oui, bien-aimés, les forteresses, ce sont des esprits sataniques qui viennent prendre possession, qui de prendre possession de nos vies, de nos familles, afin de nous empêcher de placer, de placer la vie, de placer le progrès, de pouvoir moissonner la santé, la victoire, le triomphe dans nos vies, dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour ça, lève-toi, bien-aimé, et prends courage et commence à lutter, commence à combattre contre toutes les dominations, contre toutes les autorités dans ta amen. vie et dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, ça va, nous dit contre les princes de ce monde des ténèbres. Oui, mais, mais lorsque la parole de Dieu nous dit contre les princes, contre les princes de ce monde des ténèbres, il fait référence à Satan. Il fait référence à Satan. C'est pour ça que sa parole nous dit que le voleur n'est que pour dérober, égorger et détruire. Et que les diables rôdent comme un lion rugissant en cherchant quelle famille, quelle vie, quelle maison détruire. Oui, bien aimé, mais sa parole nous dit aussi que celui que qui Dieu. Il se garde, il se préserve et l'éternel et le, le malin ne le touchera point. Amen. Oui, bien aimé, parce que moi et toi, nous faisons partie. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des soldats de l'éternel des armées. Amen. Ni le diable, ni ses alcoolites, ni les marabouts Alléluia. ne pourront rien contre nous. Car les non-puissants et gloire de Jésus-Christ. Puisque si sa parole dit que lorsqu'une vie est cachée entre les mains de Dieu, ah bien aimé, rien et personne pourra l'arracher. Rien et personne signifie rien. Ni la maladie. Lorsque tu vois la maladie, bien-aimé, lorsque tu vois que l'ennemi essaie de te combattre, bien-aimé, cela n'enlève pas la promesse que Dieu a fait pour toi. Cela n'enlève pas ce que Dieu a projeté pour toi. Cela n'enlève pas les pensées que Dieu a projetées pour toi. Cela n'enlève pas la progression, l'élévation, la multiplication que tu dois avoir dans ta famille. Non, bien-aimé. Alléluia. C'est seulement de penser que l'ennemi veut imposer dans ta vie. À te disons que regarde cette maladie, tant que tu ne pourras pas voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Au contraire, tu verras la multiplication de ces merveilles dans ta vie, dans le non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, mais là où le diable est en train de dire que tu ne verras pas la santé, tu ne verras pas la vie, tu ne verras pas la richesse, je viens te dire ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que tu verras la multiplication de chacun de ces choses, de chacune de ces choses. Tu verras la multiplication de la santé, tu verras la multiplication de ton travail, tu verras la multiplication de ta richesse, la multiplication de ta progression, la multiplication de ton élévation, de ton évolution, dans le non puissant de Jésus-Christ. Amen. Car tu dois t'élargir, yes. tu dois t'amplifier, tu dois t'expanser. Oui, bien-aimé, l'expansion, c'est la grandeur, c'est quelque chose de grand. Oui, bien-aimé, Dieu ne t'a pas mis au monde pour rester juste dans un seul pays. Amen. Dieu t'a mis au monde pour que tu puisses t'élargir partout, pour Amen. que tu puisses prospérer partout. Amen. Même si tu es là en France, cela signifie que tu dois prospérer aux États-Unis, tu dois prospérer en Afrique, tu dois prospérer partout, en Inde, en Chine, partout dans le monde entier. Amen. Tu dois prospérer. Oh, bébé, mais je déclare que ton business ne restera pas seulement ici en France, mais va prospérer partout dans le monde entier. Je Amen. déclare que ta progression sera vue partout dans le monde entier, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un homme, une femme d'affaires. Dans les non puissants de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, tu dois t'expanser. Tu dois t'épanouir. Parce que c'est le mois de l'épanouissement. Ta famille doit s'épanouir. Ta maison doit s'épanouir. Et ceux des limitations sont là parce que qu'elles veulent dérober quelque chose en toi. Elles veulent détruire quelque chose en toi. C'est pour cela, reste toujours forgé dans la prière. C'est pour cela, sa parole dit prier sans cesse, priez en tout temps. Oui, bien aimé, ne prie pas seulement lorsque tu viens à l'église. Prie partout. Même lorsque tu travailles, au travail, même lorsque tu es à l'école, lorsque tu es à la maison, lorsque tu es au supermarché, lorsque tu es à la voiture. Prie partout. Parce qu'en tout temps ça signifie en tout temps. Ça signifie dans tous les lieux. Parce qu'il n'y a pas de lieu où on doit prier Dieu. Oui, c'est l'église où on prie Dieu. Mais même à la maison, c'est comme une église où tu dois prier Dieu. Même lorsque tu es dehors, prie l'éternel, bien aimé. Parce que Dieu, il est partout. Dieu, il n'est pas seulement l'église. Dieu, il est partout. Parce que c'est le Dieu de la grandeur. C'est pour cela que toi aussi, tu dois avoir la grandeur dans ta vie. Parce que tu es le fils, tu es la fille de quelqu'un qui est très grand. Amen. Car sa parole dit que celui qui est à nous, il est plus grand et il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oui, bien aimé, l'apôtre Paul a dit Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Oui, bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui vit dans ta maison. C'est l'Esprit de Dieu qui vit dans ta famille et dans ta maison. Et c'est l'Esprit de progression qui est descendu dans ta vie. Alléluia. Oh, que tu prends la possession, bien aimé. Que tu prends la possession. Que tu reprends tout ce qui t'appartient. Que tu reprends, que tu récupères tout ce qui t'appartient. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu reprends tout ce qui te revient. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a dérobé? Qu'est-ce qu'on t'a enlevé? Oh bien-aimé, puisque nous avons déclaré la récupération, tu la verras dans ta vie. Oui, bien-aimé, la veuve, elle a vu la justice. Elle a vu la récupération de tout ce qu'elle voulait, bien-aimé. Elle a vu la justice dans sa vie. Dans les non-puissants de Jésus-Christ. Car nous avons un Dieu juste. Et pas injuste. Oui, bien aimé, le monde est injuste, mais pas ton Dieu. Amen. Oui, bien aimé, pour moi cette fois la justice, la justice, la justice. Oui, bien -aimé, je ne céderai point tout ce que m'appartient la veuve a dit. Toi aussi, Dieu ce soir, je ne de point. Je ne de point tout ce qui appartient à ma famille, à Amen. ma maison. C'est pour cela, que continue à rester connecté, bien aimé, dans la prière. Continuez à rester connecté, bien aimé, à la montagne de la prière. Car tu es, des, tu es au bon endroit. Amen. Oui, bien aimé, continue à partager, à liker, à commenter les lives. Continue à partager, à partager, bien aimé, ce Amen. live dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car nous savons que cette parole doit propager partout dans le monde entier. Car il y a beaucoup de vies, bien aimé, qui doivent être sauvées. Et ton partage peut le faire. Amen. Oui, bien aimé, je viens te dire, tourne-toi. Comme, ton Dieu, comme le Dieu Dieu a dit à ses enfants, tournez-vous, partez, allez, voyez. Mm -hmm. Ton Dieu le dit à toi aussi, parce que toi aussi tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'échoue jamais. Un enfant de Dieu n'échoue jamais. Oui, mais aimé, puisque nous sommes des enfants de Dieu, malgré les défis, malgré les épreuves que nous pouvons rencontrer dans nos vies, mais nous allons toujours atteindre notre objectif. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants et nous sommes la descendance d'Abraham. Mmh. Oui, bien-aimé, nous devons prospérer. Amen. Nous devons prospérer pour bénir beaucoup des nations, mmh. pour bénir, bénir beaucoup des familles. Amen. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, je viens te dire tourne-toi et brise toutes ces limitations, toutes les lois de limitation, toutes les dominations, toutes les autorités des limitations, des blocages qui veulent t'empêcher d'avancer dans la vie. Toutes les lois de l'envoûtement, tous les rituels sataniques que tous les marabouts sont en train de faire, cela ne pourra rien contre toi, bien-aimé. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, car tu vas récupérer cela, bien-aimé. Oui, bien-aimé, lorsque nous regardons l'histoire de Job, bien-aimé, nous voyons que nous, nous, nous savons cet épisode, bien-aimé, la réunion des enfants de Dieu. Et lorsque nous voyons que le diable s'est introduit, bien, mais nous voyons que le diable venait à dérober. Et venu à dérober, venu à, à dérober la santé, le bien, tout ce qui appartenait à Job. Mais nous voyons que Job, malgré tout, il est resté fort. C'est pour cela, moi aussi, je te dis ce soir, reste forte. Reste fort. Reste courageux. Reste courageuse dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ. Parce que regardez, bien Job était au point de rentrer dans les tombeau. Il est au point. Il avait déjà un point dans le tombeau. Mais malgré tout, il est resté fort. Malgré tout, il est resté courageux. Malgré tout, il est resté convaincu que j'ai un Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir que tu as un Dieu Tout-Puissant. Et nous voyons que Job, bien-aimé, il n'a pas seulement récupéré sa richesse, sa santé, ses enfants, mais il a récupéré la multiplication de ce qu'il avait perdu. Amen. Moi aussi, je vais te dire ce soir, bien-aimé, que tu vas récupérer la multiplication. Tu vas récupérer le progrès, la possession, l'élévation, le volume. De tout ce que tu as perdu mm -hmm. dans les noces de Jésus Christ. Amen. Oh, tape-moi cinq fois la multiplication, la multiplication. La multiplication la oui, bien-aimé. C'est pour cela, pendant sept jours, nous allons continuer à demander la vie zoée, la vie zoée, la vie de Dieu, la vie en abondance. Car c'est le moment que nous puissions nous expanser c'est le moment que nous puissions nous élargir que nous puissions moissonner. Tout ce que nous avons semé dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimé, l'heure est arrivée. L'heure a sonné, bien-aimé, que tu puisses t'élargir. L'heure a sonné, bien-aimé, que tu puisses quitter cette maladie, quitter cette souffrance, quitter toutes ces lois de limitation dans les non-puissants de Jésus-Christ. Que tu puisses partir. Que tu puisses partir. Que tu puisses déloger. De cette loi de la limitation. Oui, bien aimé, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est à ce même instant, bien aimé, je suis en train de déclarer que tu es en train de quitter, que tu es en train de partir dans le nom puissant de Jésus Christ, loin de toute loi de limitation, loin de toute loi de blocage, loin de toute loi au nom de Jésus Christ, des dominations sataniques, diabolique, qui veulent t'empêcher, qui veulent te bloquer d'avancer. Et de prendre possession de ce que as, ce que tu ce que, tu, ce que tu appartiens, Va les non puissants, et glorieux de Jésus-Christ. C'est pour cela, bien-aimé, sois forte, sois fort, sois violent, sois violente. Oui, bien-aimé, parce que lorsque, je ne pense pas que lorsque tes ennemis t'attaquent, ils ont pitié de toi. Alors, toi aussi, tu ne dois pas avoir pitié de tes ennemis. Toi aussi, tu ne dois, avoir, tu, tu, tu ne dois pas avoir pitié des sorciers de ta famille, des sorciers de ta maison. Non, bien aimé, mais pour un de pitié, sois violent, sois violente dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ. Afin que tu puisses voir la possession, afin que tu puisses voir l'élargissement, les, les développements dans sa vie, dans sa famille, dans les non-puissants de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, qu'importe peu importe tout ce que les marabouts sont en train de faire, tous les rituels qu'ils sont en train de faire, cela ne pourra rien. Et je dis rien. Contre toi, dans les non-puissants de Jésus-Christ. C'est pour cela, bien-aimé, sois fort, sois forte. Tu dois commencer à arracher, tu dois commencer à arracher, bien-aimé, dans les non-puissants de Jésus-Christ, ta santé, arracher ta possession, arracher ta multiplication, arracher ta progression de toutes ces <tousse> dominations sataniques, dans les non-puissants de Jésus-Christ, de toutes ces autorités contre lesquelles nous sommes en train de lutter, contre lesquelles nous sommes en train de combattre, contre lesquelles nous sommes en train, sommes en train chaque jour de amener un combat. Mais puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que gagnants. Nous sommes plus que victorieux. Et nous allons triompher par la grâce de notre Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé. Lève ta, ta main droite là où tu es. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'heure a sonné. Que l'heure est arrivée. Que tu puisses te tourner. Que tu puisses partir, que tu puisses se quitter. Toutes les lois de limitation, toutes les lois de blocage qui veulent t'empêcher d'avancer, que l'air a sonné, que tu puisses combattre, que tu puisses quitter toutes les dominations, toutes les autorités sataniques qui veulent t'empêcher de, 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 de s'aimer, de moissonner la liberté, la joie, la paix, la grandeur, la, la grandeur, la possession, la, le développement, l'expansion dans sa vie, dans le non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car l'Éternel a dit que ce que je déclare, c'est ce qui arrivera. David a dit recommande ton sort à l'éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Oui, mais aimé, je déclare que nous venons recommander sous mois de juin encore une fois de plus nos vies entre les mains de notre Dieu et que notre Dieu va encore agir dans nos vies, que notre Dieu va nous délivrer, va nous libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ, de toutes ces lois d'imitation, de toutes les lois de blocage, de toutes ces dominations sataniques, de tous ces autorités. Dans le nom de ce glorieux du Christ, je déclare la délivrance dans ta vie. Je déclare que tu prends la possession de ton miracle. Je déclare que tu prends la possession de ta guérison, la possession de ta délivrance. Car l'Éternel celui qui nous a délivré, qui nous délivre et qui nous délivrera encore. L'apôtre Paul a dit Oui, bien-aimé, l'Éternel il est là pour restaurer la vie de quelqu'un. L'Éternel est là pour donner la vie zoé à une famille, à une maison. Oui, bien-aimé, que la vie zoé soit ton partage, que la vie zoé c'est le partage de ta famille, le partage de ta maison. T'as le non puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Amen. Merci pour ce moment de grâce. Merci Amen. pour ce moment de faveur que tu nous as accordé, papa, de pouvoir encore comprendre ta parole. Merci Seigneur, car tu nous donnes l'obligation de quitter, papa, toutes ces lois sataniques, de quitter toutes les lois d'illimitation, de quitter, papa, cette montagne, papa, que c'est la maladie peut-être, la sorcellerie, papa. Là, nous avons assez demeuré, papa, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh Amen. Amen. Oh, ton Dieu, ton Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, la famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons encore été bénis ce soir. Par notre fille, la servante de Dieu, Mofet Pansou. Le Seigneur te dit, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est le temps de te lever, Amen. de te détourner. Alléluia. D'aller posséder Amen. ce qu'il a préparé pour Amen, toi. Amen. Il est en train de dire dans le livre de Jérémie au, au, au chapitre 29, Amen. verset 11, Amen. le Seigneur est en train de dire, je connais les projets Amen. que j'ai formés sur vous, les hum, projets... Amen. Des bonheurs, Amen. non des malheurs. Des projets de paix, bien aimé dans le Seigneur, non des troubles. Amen. Alors lève-toi, vaillant héros, Amen. vaillante héroïne, Alléluia. Alléluia. Va prendre possession de ton bonheur, va prendre possession de ton mariage, Amen. va prendre possession, Alléluia, Amen. de tes biens, va prendre possession de ta santé, Amen. Alléluia. Va prendre possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen. Chacun de nous, bien-aimé dans le Seigneur, Aïe, Chacun de nous a sa Jérusalem. Amen. Alors lève-toi, Alléluia. Comme David s'est levé, comme plusieurs dans la Bible sont levés, Ils sont allés prendre possession Amen. de ce qui était à eux. Amen. De ce que le Seigneur avait préparé pour eux. Amen. bien aimé dans les Seigneurs, tu n'entreras pas dans la grandeur. Tu n'entreras pas dans la gloire. Mm -hmm. Tu n'entreras pas dans l'élévation. Si tu restes bras croisés, ce monde ne te donnera rien à cadeau. Mm. Au contraire même, il, le monde se lèvera contre toi Amen. pour te mettre des cales, pour te mettre bien aimé dans le Seigneur des obstacles devant ta route pour que tu n'arrives pas alléluia mm. dans ta réussite mm. dans ta grandeur dans vrai. ta gloire c'est pourquoi le Seigneur a dit lève-toi alléluia le Seigneur te dit ce soir lève-toi comme la servante de Dieu vient de dire c'est une obligation. C'est une obligation dont le Seigneur te dit lève-toi. C'est une ordonnance. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur est en train de t'ordonner, de te lever. Amen. Donc le Seigneur est fatigué. Est Il te voit tout le temps dans la maladie. Mm. Il te voit tout le temps dans les problèmes, dans les difficultés. Lève-toi dans, le lève. dans le nom de Jésus et prends possession de ce qui t'appartient dans le nom de Jésus. Alors nous sommes à la fin. Amen. Nous voulons tout simplement vous rappeler bien aimé dans les Seigneur, que nous sommes là restez connectés restez branchés sur votre chaîne samoulipanzu tv à la montagne de la prière parce que dieu est là il nous bénit il nous parle Amen. il nous oriente pour que nous puissions arriver bien aimé dans les Seigneur, à cette grandeur croissance multiplication qu'il a préparé pour nous alléluia Amen. vraiment restons Restons déterminés. Amen, Alléluia. Amen. Pour que nous puissions voir les choses changer vraiment dans nos vies et tout autour de nous. Parce qu'avec Jésus, c'est toujours possible. possible. Déjà, c'est la semaine prochaine que nous allons débiter. Nous allons débiter notre jeûne et prière de sept jours. Alléluia. Amen. Pour briser des limitations. Parce que nous voulons la vie zoé. Amen. La vie d'abondance, alléluia, amen, parce qu'il a dit les voleurs, lui il vient oui. voler, lui il oui. vient détruire. Oui. Il vient Dérobé. dérober. Oui. Mais lui, il est venu pour que les brebis puissent avoir la vie en ah, abondance. Alléluia. Amen. Donc, Dieu veut l'abondance pour toi. tu veut l'abondance pour nos enfants, pour Amen. nos maris, pour Amen. nos femmes, Amen. pour nos travails, pour nos ça. projets, nos affaires. Amen, Dieu veut l'abondance. Alléluia. Amen, Mais Amen. pour nos comptes bancaires, Dieu veut l'abondance. Alors, restez connectés. Ce programme va commencer déjà dimanche à minuit. Amen. Nous serons là. Nous allons monter en dans cette montagne des jeunes prières Amen. de sept jour et je le crois bien aimé je suis convaincu puisque ce Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement Amen. il agit encore il agira il continuera à agir il va agir bien aimé dans le Seigneur dans ta vie dans ma vie, dans ta famille, dans Amen. ma famille, Amen. à la montagne de la prière, tu vas agir encore. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a des surprises pour nous. Je que Dieu prépare des bonnes choses pour tout et chacun de nous. C'est un Dieu qui étonne. Amen. Mais rien ne l'étonne. <laughs> C'est Dieu qui étonne. Amen. Mais rien ne l'étonne. <laughs> Alléluia. Amen. Donc tes ennemis seront étonnés. Amen. Ah oui, tes adversaires seront étonnés. Amen. Parce que Dieu va les étonner. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors reste bien aimé dans le Seigneur Focus dans le nom de Jésus sur les objectifs que Dieu a tracés pour toi, pour ta famille. Alléluia. Amen. Alors Amen. vous qui aimez ces ministères, continuez à soutenir ces ministères. Amen. Nous avons besoin de vous amen. les montagnards, levons-nous. Alléluia. Amen, amen, Soutenons amen. la montagne de la prière, levons-nous. Bâtissons la montagne de la prière, levons-nous. La montagne de la prière a besoin de nous. Vous êtes bénis à travers ce ministère. Alors nous avons besoin de vous, bien-aimés dans les Seigneur, Amen. pour avoir notre salle à nous. Là où nous Amen. allons faire des retraites, Amen. là où nous allons faire des veillées à bobo, là où nous allons Amen. faire tout en abondance. Amen. Alléluia. Le jour qu'on aura la salle, c'est l'abondance. Les retraites en abondance. Et donc les veillées en abondance. Amen. Des séminaires en abondance convention en abondance. Yes. Donc, tout sera abundance, abondance, 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 abondance. Amen. Alors, je vois pas déjà l'air et je sais que toi aussi, tu es acte, n'est-ce pas, de hum, voir hum, ce hum, moment hum, arriver. Hum. Alors, continue à soutenir. Vous avez le Paypal de la montagne de la prière. Vous avez Amen. le compte bancaire de la montagne de la prière. Amen. Je vois une montagne à partir des îles là-bas qui vient d'écrire. Il dit on a seulement besoin de 200 montagnards pour donner 200, 200, 200, 200 héros Amen. Amen. Donc pour avoir notre... Salve. Vraiment Amen. que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui envoyez déjà vos soutiens et vous qui vous allez encore envoyer, soyez richement bénis, énormément, puissamment. Que le Dieu des corneilles se souvient de vous et vos familles, vos travails. C'est lui qui vient menacer, qui lui croise le fait dévorant, qui lui croise Amen. le lion de la tribu Amen. de Jida dans son chemin. Que ton Jésus. travail soit protégé, Amen. que tes finances soient protégées Amen. Amen. Au nom de Jésus non, pour Jésus. le soutien que tu amènes, Amen. tu portes pour que ce ministère continue à aller de l'avant. Vraiment l'équipe est debout Amen. en train de travailler, sont en train de chercher et je sais avec vos prières, le Seigneur fera grâce Amen. bientôt, Amen. nous Amen. allons célébrer Amen. encore Amen. le Seigneur Amen. ensemble Amen. parce que la Bible dit la gloire de la deuxième maison sera Amen. plus grande Amen. que la gloire Amen. de la, la première maison. maison. Vraiment, soyez bénis, la famille. Amen. Nous vous aimons parce que nous sentons aussi votre amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus, nous vous donnons rendez-vous demain pour notre éculte des 19 heures. Nous serons encore là pour prier avec vous, partager avec vous la parole, de, la, la parole de Dieu Amen. en live, ici, sur votre chaîne YouTube Samuel Pansou TV. Amen. Vraiment, la famille, soyez bénis. Continuez à prier pour nous. Continuez à prier pour votre ministère. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous disons avec Jésus. C'est toujours possible. Avec Jésus. C'est toujours possible. Ah, car rien n'est impossible à lui. Amen. Salut, riche moi béni. Bye bye. Bye bye.